On retrouve Marc Quentin aujourd'hui qui vient de parler du Yamaha Striker. J'ai été surpris de voir ce modèle-là et comme le Fury aussi. On pensait que la mode des choppers là, qui avait été remise au goût du jour par les émissions américaines, on pensait que ça diminuait. Puis juste comme on pensait que c'était mort, paf, ils nous sortent des modèles comme ça. Ben oui, chopper d'abord, c'était la roue avant avancée, relevée un petit peu, puis une grande roue à grand diamètre relativement mince. Et on a sorti, comme vous dites, le Fury et le Striker, 1300cc. En plus de ça, il y a seulement des boîtes 5 vitesses parce que la plage de couple est assez grande sur le moteur, donc t'as pas besoin de toujours danser sur le changement de vitesse pour passer de 1 à 5 à 6, puis te redescendre, puis tout ça. Tu mets ça d'une vitesse et puis boum, puis ça part. C'est des motos pour faire des belles balades. On s'en va pas faire du chemin sinueux comme avec une moto sport, mais pour se balader, c'est des motos agréables. C'est des motos agréables s'il n'y a pas trop de boss. S'il y a trop de boss, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de débattement à l'arrière, on talonne assez souvent dans le dos, puis on a tendance à vouloir arrêter, puis peut-être s'étirer le dos un petit peu, puis se replacer les choses. Et si on regarde la Striker, moi, j'ai tout de suite vu, quand j'ai vu le modèle, tout ce qui est en noir maintenant était chromé auparavant, mais là, c'est la nouvelle mode que Harley a lancée pour justement attirer les clientèles peut-être plus jeunes qui n'ont pas le goût de frotter une moto à chaque fois qu'ils sortent, qui peuvent la laisser à la pluie, ça ne la dérange pas. Alors, lustré ou mat, c'est le noir, avec préférablement le polo noir, les jeans noirs, les bottes noires, les gants noirs, le casque noir. Vous êtes tout en noir et c'est la grosse mode Harley-Davidson qui a lancé ça. Ils font dans tous les modèles, ils font du noir et celle-ci, elle n'est pas mate, elle est lustrée. J'aime mieux le noir lustré. Tout de même, ça paraît plus beau un petit peu, ça miroite un peu plus le soleil, même si l'échappement, lui, est mat. Ah, mais ça, c'est le reflet de ta génération? Ça doit être ça. Donc, les jeunes, on veut ça dark, pas de reflet. Dark, torturé. Je vous le laisse. Merci beaucoup.